C'est une association qui lutte contre les maltraitances faites à l'enfance. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de lancement de notre projet Filles en Or, que nous avons commencé ici à l'IAM, qui est un projet qui lutte contre les maltraitances qui sont faites aux filles. Concernant ces maltraitances, on parle du viol, du euh, mariage précoce, mais aussi de l'excision. Vous savez, ce sont des phénomènes sur lesquels il faudrait insister, surtout au niveau de la sensibilisation, pour un petit peu éveiller les consciences. Cette sensibilisation, on l'a commencé aujourd'hui. On va continuer ça à Dakar, mais au niveau de la banlieue. On va aller aussi vers les régions. On va essayer de regrouper les populations. On va regrouper les ONG et les acteurs étatiques. Comme ça, ensemble, on va essayer de changer sur ces thèmes pour mieux apporter des solutions. Concernant les victimes, il y a une prise en charge qui se fait à plusieurs niveaux. Il y a une prise en charge qui est socio-économique. Il y a une prise en charge aussi qui est judiciaire. Concernant la prise en charge judiciaire, aujourd'hui l'État sénégalais a fait des efforts énormes et on prie que l'État puisse continuer à les accompagner, surtout au niveau de la juridiction, qu'il puisse mettre en lieu des lois, qui vraiment, des lois qui vont permettre vraiment de pouvoir régler régler ces problèmes. La maltraitance ainsi que toutes les formes de violence sont réprimées par la loi sénégalaise. C'est vrai qu'au niveau euh, international, régional, sous-régional, on a aussi des conventions qui protègent davantage les droits des femmes et des filles. Mais euh, ces dispositions, ces conventions, euh, enfin notre législation nationale n'est pas harmonisée avec ces conventions qui sont les plus, euh, qui protègent le plus les droits des femmes et des filles. On ira vers ces sensibilisation sur le territoire national et on est prêt à travailler avec. Les acteurs étatiques, mais aussi avec les ONG. Nous devons partir normalement vers le sud de la Casamance et aussi à Kolda, parce que là-bas, le taux, il y a, bon, concernant les, ces phénomènes là-bas, le taux est beaucoup plus élevé dans le sud de la Casamance, parce que généralement, on va au niveau des îles du les Manding, il y a beaucoup plus de, de taux. Des enfants qui sont excisés ou bien des enfants qui subissent le viol. Contrairement ici au niveau de l'ethnie Wolof et puis, ou bien au niveau des ethnies serrées.